influences, moi j'ai beaucoup d'influences parce que mon père écoutait de la techno quand j'étais gamin. Donc j'en ai beaucoup. C'est passé surtout par le label Warp, avec Aphex Twin, tout ça. Après il y a eu The Hacker qui m'a beaucoup influencé aussi avec son album Rêve Mécanique. Ça a été une révélation pour moi aussi, cet album-là. Et toi, Léo, c'était plus Portishead, Depeche Mode aussi. Après, on écoute aussi beaucoup de... On a écouté beaucoup de techno, même quand on était jeunes, comme Drexia, etc. C'est bromance, donc c'est une relation très fraternelle, très fusionnelle. C'est exactement, c'est une famille, c'est... On peut pas se passer les uns des autres, en fait. C'est un noyau quoi, hyper soudé. Non, on le connaissait pas, mais on a regardé les interviews sur les events et on a appris un peu à vous connaître, à les connaître via internet. Donc voilà, maintenant on est content de tous les rencontrer, de jouer pour The Technocrat ici en Tunisie, c'est cool. Vous connaissez de l'artiste tunisien? DJ Mehdi, qui était à moitié tunisien, c'est ma seule référence. Elle a sorti une vidéo il y a deux jours. Hein. Qu'en pensez-vous? Elle est magnifique. C'est. Je veux prendre le recul nécessaire à regarder encore et encore et essayer de comprendre vraiment toutes les images, tous les trucs. Parce que c'est. Il a complètement ouvert son univers à tout le monde avec cette vidéo-là. Marquant d'un concert. Y avait cette date à Londres qu'on avait fait une bromance avec justement Geza, Louis et les Clubs Cheval, où on s'est tous retrouvés sur la scène à la fin, à jouer tous ensemble et donc c'était impressionnant parce qu'on voyait tout le monde, tous les étages comme ça et c'était un vrai ressenti, une vraie... ça nous a pris au cœur et c'était un moment très fort pour nous, moi ça m'a marqué en tout cas. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup. Thank you.